J'ai peur. J'ai très peur. C'est quoi ce terrain qui est au démarrage? Vous allez vite voir. Oui, souvenez-vous 2011. Il faisait beau ce jour-là. Le soleil était radieux sur les plages, pas encore irradié. Et vous étiez en train de vous détendre à Fukushima. Ce qui était une très très mauvaise idée ce jour-là d'ailleurs. Pourquoi? Bah, je sais pas, il y a eu une légère explosion dans une légère centrale atomique. Donc ça a été légèrement le bordel. Et apparemment, ça a beaucoup laissé des séquelles, mais alors beaucoup, 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 au point que quelqu'un en fasse un jeu. Et donc on va dans ce jeu très étrange, Daichi Dash, qui va nous emmener à Fukushima ou ailleurs. Je vais vérifier les options. C'est quoi cette aire cette façon de déjà sourire un peu? Vous allez vite comprendre. Alors, no bullshit, je découvre le jeu en même temps que vous. Et je sais pas si j'ai bien fait de vous préparer cette émission. Nous avons 7 niveaux. C'est la musique derrière qui me perturbe. Et nous sommes prêts à jouer. Est-ce que vous êtes prêts à regarder vraiment cette émission, vous êtes sûr? Daichi Dash, on y va. Vous l'aurez voulu, hein. Maintenant c'est trop tard, vous regardez jusqu'au bout. Vous avez commencé. On va pas gâcher quand même. J'ai essayé de pas rigoler, mais je le voyais un peu gros. Il n'y aurait pas moyen de faire un skip de l'intro, si? C'est parti. Daichi Dash. Eh oui. Eh oui. Le jeu d'arcade de chez grand-père, c'est devenu réalité. J'ai vraiment un flingue et une armure issue du jeu. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je vois vos sourcils qui commencent à se froncer. Hein. Jusqu'à. Apparemment, il y a un truc qui se vautre là. Ah non, c'est pour savoir ce à travers quoi je peux passer. What the damn. J'avais prévenu qu'on aurait un jeu un petit peu particulier, il me semble, non? Collect for life, je sais pas quoi. Je sais pas, on va y aller. Ah, je focus les amis, je peux pas parler en même temps. Après, je vous expliquerai le ressenti peut-être. B pour jeter des pièces. Ok. Et les ennemis respawn. Oui, bah ça j'avais compris. Alors le truc délire. C'est que le décor est tellement chargé. Et alors ce jetpack, c'est une grande première pour moi. Qu'on sait pas sur quoi on peut monter. Genre là, j'aurais pu passer. Oh non, un terrible tremblement de terre a détruit la centrale nucléaire. Mais ça fait tellement vrai. Il va y avoir en plus un tsunami. Et Pépé qui est en mer. Oh là là. Il faut que je le finisse. Non, que je le trouve. C'est où? Je cherche mon grand-père. Donc je parlais graphisme. Vous laissez pas déconcentrer les amis. Ouais, c'est juste des chats. Et une vache araignée. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. J'avais prévenu. Vous vouliez pas m'écouter. J'ai pris un petit cachet, ça va aller mieux après. Ah, saleté de chat. Vilain Neko. Neko Baka. Je suis passé à travers le décor, les amis. Je peux tirer à travers le décor. Comme ça, je peux. Je pense que vous êtes tous très friands que j'aborde des explications au sujet de ce jeu.
Eh bien, non, je m'abstiendrai parce que je suis comme vous, je ne comprends rien. Et je vais flinguer ces mouettes qui chient n'importe quoi. Surtout la rouge qui a l'air super vénère. Ah, voilà, tout est clair, tout est clear. Oh, je pourrais prendre ça. Mais je l'ai pris, what the frog. Je suis sur quoi, là? Donc, bienvenue dans le jeu le plus fuck du moment. le plus what the fuck, les amis. Oui, j'ai pensé tout de suite à vous quand je l'ai vu. J'ai fait, est-ce que je chronique ça? Alors, forcément, quand on voit les écrans statiques, on se dit, non, ce n'est pas possible. Ah, la vache araignée! Mais, voyez-vous, j'ai quand même une certaine tolérance. Et j'aime que les chats soient rosés. Comment ça, je suis déjà en train de craquer? Ah! Oh, je suis mort! Le chat, je t'ai vu, le chat, gentil le chat. Alors, on pourrait parler de la direction artistique, mais on pourrait aussi s'abstenir en fait, tout simplement. Hein? Parce que, entre nous, cette direction artistique, elle est parfaite. Qu'est-ce que. Du daltonien? Non. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hop là, une pilule qui redonne des forces, regardez. Ah, j'ai mon checkpoint, je m'en fous, je peux crever en paix maintenant. Allez la meumeu, on va se la faire par l'autre côté. Ah, oh, je me suis fait pouiller par des chats radioactifs. Ah, oh, c'est dur en plus. Alors pourquoi ce jeu? Pourquoi pas, moi je dirais. Hein, d'abord. J'ai juste des pièces, et voilà. Donc, en fait, faut bien que je me mette dans la tête que les pièces, c'est comme des grenades, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a un feu de chat. Ok. Normalement, il y a un feu de chaminé. C'est pas trop compliqué, celle-là. J'essaie de trouver une plateforme. Ça ressemble à une plateforme, ça. Alors, faut que je fasse gaffe, parce que si je pète le décor et que j'en ai besoin, et ça va peut-être pas être simple pour moi. Hein. Oui, parce qu'il y a des endroits où le décor va péter. Avec mon grand pissou, là. Et qui me jette des écureuils? Ou des renards? Je ne sais pas ce que c'est. Ah, Daishi Dash. Tu es un jeu possédé. Prends-toi. Ah! Et regardez-moi ces graphismes. Il y a une cohérence, une tenue, une direction artistique, quoi. On sent tout de suite qu'on est sur un poulpe géant. Et que ça les chatouille. Je bouge pas. Hein. Ah, je suis tombé à l'intérieur du poulpe. C'est chaud, putain. Je vous avais prévenu, les amis. Vous allez vouloir y jouer. Mais dites pas le contraire. C'est design. Vous dites dans une soirée un petit peu prout-prout que vous avez joué à Daishi Dash. Je suis désolé. On va vous regarder autrement, quoi. On va faire respect, quoi. Je suis dans les yeux du poulpe. Ça me rappelle une émission, mais je vais pas en parler. Je préfère être sympa aujourd'hui. Oh, il faut que je saute, c'est horrible. C'est chiant d'appuyer sur le tirer. Ah, je me suis vautré la gueule. Dommage, bonhomme. Oh non, pas le game over fatal. Vous voulez voir la suite, j'en suis sûr. Je peux pas aller directement au... On essaye? Allez. Ah bah non, tant que t'as pas fait le premier, c'est baiser. Non, y a pas de passage, mais je peux faire un super jump, regardez. Son colon, c'est vrai.
Ah, j'ai trouvé un safe spot. Pile dans l'axe du poulpe. Je maîtrise ce jeu, ça y est. Je vais être un Godmaster. Apparemment, ça les attire, les trucs de bouffe, là. Ou je sais pas quoi. Vous souhaitez toujours des explications, vraiment? Ah, votre plage est vite, ce qu'on va faire, on va inverser les rôles. Exceptionnellement aujourd'hui, ce sont les viewers qui, dans les commentaires, vont me marquer ce qu'ils ont compris de ce jeu. Son scénario, sa teneur, son intelligence. Donc, défi du jour, défi de ce stream, marquez-moi en commentaire le scénario que vous avez compris de ce jeu. Faites bien gaffe, je mets des notes à la fin. Ils sont en rouge, ils sont méchants. Ah oui, ils pètent. Un boss. Oh, il m'a cramé instantanément. Formidable. Et bien sûr, je vais peut-être jeter des pièces ou je sais pas quoi. C'est apparemment jeter des pièces, ça marche bien dans ce jeu de corrompu. Oh, ça marche super bien, Nick Don. Par contre, c'est vert, t'as pas envie de marcher dedans, quoi. C'est quoi là-bas? Ouais, je vais pas y aller. Bubu. Je sais pas si c'est bon. Alors, du coup, le décor, j'y reviens, on sait pas sur quoi on peut monter. J'avais même pas vu le gars. Grand-père! Le tsunami arrive, va-t'en vite. Notez, hein, les viewers, vous avez un scénario crédible à me rédiger après. Non, je ne te laisserai pas. Attention derrière toi, Ico. Quoi? Attention derrière toi, Ico. Quoi? Le grand babu. It's alive. Non, je ne souhaite pas ça. Ah ben si. Oh là 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 là, on a l'impression que je vais me faire attaquer par une tapisserie géante. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, qu'est-ce qui se passe? What the frag? Regardez la taille que je fais. Il faut que je m'attaque à ce machin. Mais le mec, il se marre. En plus, il me tire des arcs-en-ciel, quoi, des trucs bariolés. Ça n'a ni queue ni tête. Je peux pas monter. I must find a way. Yes, but comment? Ah, ok. D'ici, peut-être. Il s'en fout, le mec. Il rigole. Comment je vais faire pour le flinguer, ce truc? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fait rien du tout. Pas faire un rocket jump. Non, comme ça. Oui, je vais chanter More Than This. More Than This. Na 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 na. Voir que c'est là-haut, c'est sur ses antennes. Alors, si on est logique, il faudrait que je me serre. Je vais essayer un peu de logique, hein, on sait jamais, ça peut marcher. Ça, ça m'attaque pas, mais ça ferait un bon escalier. D'accord. Putain, je peux arriver. Non! Il n'y avait même pas une surface pour se poser dessus. Je suis déçu, je suis... bah... Je suis bu... Je suis bab bibobu. Bu...
faut tout refaire. Regardez ce qui est tombé de sa vie. Sérieux les amis, vous êtes témoins, je vous prends en témoin. Ce jeu me déteste, ce jeu me hait. Ce jeu n'est pas jouable, c'est un mensonge. C'est une blague, c'est une parodie. C'est un pugilat. Sérieux, Stille. Ah, mais il revient. Oh. Puis il a l'air encore moins content. Je descends tranquillement, hein, moi. Tout mon temps. Hop, hop, hop. Mais il vit cette fois. Est-ce que je peux me barrer? Ce serait une bonne idée. Grand-père, grand-père, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Grand-père, ou tu me donnes un tuyau? Parce que j'ai fait le job là. Purée, il est énervé en plus. On ne saura pas. On ne saura pas les amis. Non. Daishi Dash, tu vas rester un mystère jusqu'à ce que je réinsère des pièces. Et voilà. Oui. Décontractez-vous. Calez-vous bien au fond du canapé. C'était une expérience intéressante, vraiment, mais réservée à une élite. Nous reviendrons dans Daishi Dash très bientôt, et nous dénouerons le mystère mystérieux de ce scénario scénaristique. Stream généraliste, stream des shmups, ta gueule de chat, autant d'abonnements. À bientôt si je vous ai pas dégoûté.